pas dans le même camp. C'est une bonne base pour prendre plus de terre. Sur Radio Pirate. Vous savez, il y a un truc qui me met hors de moi, les enfants. J'ai trop les boules. Vous savez, depuis que je suis de bonne humeur, mais voilà ce qui m'énerve. Les médias. Parle pas de moi à la radio, Pirate. Je veux parler des médias. Toi, le Havildar. Ce que vous appelez un sergent? Oui. L'usine se sert de groupes électrogènes pour rendre l'air respirable. Détruis-les pour faire sortir les soldats. Quoi que tu fasses, fais le moins de dégâts possible. Une dernière chose. Le chimiste qui est à la tête de l'usine. Autrefois, c'était l'un des nôtres. Amita de Sapo.
côté. Mais... une grenade. Grenade. Parlez-vous. Fais voir ce que t'as dans le ventre. Chauffez-le. On voulait le chimiste vivant. Tu m'as dit... tu m'as dit de le tuer. Il est temps de détruire l'usine. Il est temps d'illuminer l'ascension de Badra vers les dieux avec un brasier géant. Ça... ça veut rien dire, ça. On pose les explosifs. Sors de là tant que c'est possible. Thank you.
Amita ? Et Jay, qu'est-ce qui se passe ? L'usine est en sécurité ? Est-ce que le chimiste est mort ? Ouais. Ouais, c'est juste que... Je crois que j'ai eu des hallucinations. C'est l'effet des vapeurs, mais tu vas mieux maintenant. Je te remercierai jamais assez. Grâce à toi, on pourra faire quelque chose de ce pays. Si Sabal ne restait pas complètement bloqué dans ses traditions, il comprendrait. Yeah.
secondes se sont passées. Le camion est chargé. C'est presque fini. Mais j'ai besoin d'une escorte. J'ai dit exactement la même chose tout à l'heure. Tu ne vaux pas mieux qu'un dealer. C'est tout ce que tu es. Tu sais qui tu me rappelles? Oh oui, Pagan. Ah, je suis comme Pagan, tout ça parce que j'ai des ambitions pour le Kirat. Réfléchis, j'essaye de nous sortir de tes conneries de tiers-monde. C'est notre histoire, notre culture, nos traditions. Des traditions? Comme quoi? Marier les petites filles, c'est ça? C'est ça, ton projet pour Badra? Mais vas-y, vas-y, montre à AJ ce que c'est, un vrai mâle. Je ne jouerai pas à ça avec toi. C'est au tour de Noor. Là au moins on est d'accord. Elle n'a pas eu le choix. Pagan a forcé Noor à faire tout ça, il tenait sa famille. Et elle, combien de familles elle a tuées pour sauver la sienne? Ses motivations, ça ne compte pas. Elle va payer, comme tous les autres. Pour Noor, je déciderai moi-même. Namasté. C'est pas juste. Ouais, je vais pas pouvoir rentrer par là. Bon, passe au plan B. Je crois que la reine, c'est pas mal. Il devrait rester loin des arènes. Et c'est plutôt la poterie. Yeah.
Passe au plan B. Amita, c'est fait. Noor est morte. Bravo, Edge. On tient complètement le sud maintenant. T'as montré au peuple qu'il doit suivre la voie de la liberté. Il est hors de question qu'on recule. Quoi que puisse en dire Sabal. Edge, j'ai reçu des infos de mes éclaireurs. Ils me disent que les forces qui tiennent Ragata Wada sont affaiblies et qu'elles ne pourront pas résister bien longtemps en cas d'attaque. D'agir et de prendre la forteresse pour le sentier d'or. Hey, tu reviens pour fumer un peu de bon shit? Ah ouais.
Tu peux me croire, celui-là, il déchire complètement la tête. Il a un nom ? Volcan. Ouais. Tu remarqueras même pas que tu t'es brûlé l'entrejambe avec ça. Hein ? Oh, merde ! Bon, ça me défonce pas vraiment. Bah, ton corps a quand même dû finir par s'habituer un peu. C'est pas grave. On va rajouter un peu d'ingrédients secrets.
bien. Grâce à toi, il y a presque la moitié du Kirat qui nous écoute. Les gens ne peuvent plus ignorer la vérité. T'as pris une autre forteresse et t'as liquidé Nour? Je dois bien te l'avouer, je suis impressionnée. On tient la moitié des forteresses. Les possibilités de contre-attaque de Pagan sont plus que limitées. Sauvez-moi, pitié!
Il a jamais fait de mal. On peut pas rester sans réagir. Vous êtes qui ? Tu sauras jamais si tu m'aides pas à me poser à l'aéroport. Et pourquoi est-ce que je ferais ça ? J'ai ici pour être un gentil et buter des méchants, pas pour poser des questions. Plus vite tu m'aideras, plus vite tu pourras retourner jouer les Che Guevara des bacs à sable. Et puis, j'ai des infos pour toi. Allô ? Vous êtes toujours là ? Ah. Je
je suis à l'aéroport. Bon, j'ai fait un survol plus tôt et j'ai repéré des snipers. Descends-les. Et n'oublie pas qu'on a un ennemi commun. Sans les hommes de Pagan, ce sera plus simple de sécuriser l'aéroport pour tes copains du Sentier d'Or. Ok. Encore un truc. Faudra que tu fasses profil bas, comme un républicain qui crête à San Francisco. Pas d'alarme. Tu te fais pas repérer, point. J'ai rendez-vous avec le commandant de l'aérodrome et je veux pas qu'il sache que j'ai un atout dans la manche. Quand t'auras fini, appelle. C'est bon, vous pouvez atterrir. J'ai tué les snipers. Bien joué! Je suis en approche finale! Rejoins la tour de contrôle et appelle-moi une fois là-bas! En position. Reste là et couvre-moi. Je dois assister à une petite réunion avant qu'on puisse parler. Si jamais ça tourne mal, je t'envoie un signal. Quel genre de signal? Si je dis Ronald Reagan, ouvre le feu et t'arrêtes que quand tous les méchants sont morts. Ronald Reagan? Très bien. Je vais garder cette fréquence ouverte, mais fais pas trop de bruit. J'ai vraiment pas besoin de distraction. Ce mec est du genre un peu nerveux, compris? Compris. Bien, c'est parti. J'ai le matos avec moi, exactement comme t'as demandé. Changement de programme. De quoi tu parles? J'ai dit changement de programme. Yuma veut que je vous ramène. Non mais tu déconnes! Je peux pas faire ça, on avait un marché! Vous et votre avion, vous allez nulle part. Je vous emmène voir Yuma. On doit bien pouvoir s'arranger, non? Y'a rien à arranger du tout, mon pote. Chez moi, un marché, c'est un marché. On le change pas comme ça, c'est anti-américain. Tu commences à me faire chier! Tu connais un peu Ronald Reagan? C'était un président franchement cool, et les finances américaines... Les méchants arrivent par le nord! Couche-couche me fait canarder! Fais gaffe là-haut! Contact au sud! Descends-les! Ça chauffe trop par ici! Il y a des méchants qui arrivent par l'est! Fais comme l'est! Oh!
l'absence de fusillade et d'explosion, j'ai bien l'impression que t'es tranquille. Viens me voir à l'entrepôt, qu'on puisse enfin discuter face à face. Ça fait 25 ans et je sais toujours pas si cette odeur vient d'une mauvaise hygiène ou de l'absence totale d'espoir. Moi, je sens rien du tout. Ça sert plus à rien que je joue la comédie. Mais alors, vous êtes qui ? Regarde-toi. T'as une gueule de touriste et une âme de killer. On dirait un putain de loup en costume de berger. Beaucoup mieux que le connard que je me trimballais dans ma dernière mission. Mais, comme toi, c'était un patriote, le genre de type qui met la main sur le cœur dès qu'il entend l'hymne au match du 4 juillet. Gueule de touriste ? Je bosse pour Langley, agent Willis Huntley. Langley ? Pour la CIA ? Tout ce que tu dois savoir sur le meurtrier de ton père est dans ce dossier. Quel dossier ? Le dossier dans l'avion qui va décoller. Oh, merde ! Hé ! Hey, t'auras besoin de ça. C'est parti. J'en déduis que t'as le dossier. Ouais, et c'est illisible, votre merde. C'est censuré. Tu veux en savoir plus ? Ferme ta gueule et donne-moi un coup de main. Et je ferai apparaître quelques noms. Très bien. Qu'est-ce que je dois faire ? Je suis venu faire tomber Pagan Min et Yuma. Ce que les gens du coin n'arrivent pas à faire. Je croyais que vous étiez les meilleurs en matière de guérilla. Que vous étiez ? Le Sentier d'Or a pas choisi la bonne méthode. Je suis là pour leur montrer comment on fait. Phase 1, on leur donne l'aéroport. Phase 2, on s'offre les services d'un certain AJ Gale. C'est toi. Reviens me voir ici quand tu seras prêt. Oh, et parle pas de notre arrangement au Sentier d'Or. Ils ont pas besoin de tout savoir. Maintenant, tu m'excuseras, mais je dois faire pleurer Caroline. M'en veux pas. Putain de merde, c'est juste un méga trou dans le sol.